Hello, hello everyone. Bonjour tout le monde pour cette nouvelle session de peinture. This is me. So, and welcome in this new painting session. So today we will do this painting using this materials. This is my cat telling you hi, and this is the colors we are going to use today. So c'était mon chat qui vous dit bonjour et avec les couleurs qu'on va utiliser aujourd'hui. Peut-être on va ajouter d'autres, bien sûr, mais essentiellement c'est la gamme du bleu et du jaune. C'est entre les deux, y compris le vert, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? Donc, notre. So, we'll use today this stretched canvas, 20 inch by 20 inches. And then the most important colors, as you saw, you can stop the video to take and all the colors we are going to use today, blues, two or three blues. Please, you can use any color you have. So, hi. Alors. So to start, I'm just drawing some shapes to try to follow in the beginning. Je suis en train de diviser l'espace en quelques formes que je veux commencer à respecter au début, mais d'habitude je ne respecte pas les dessins que je fais au début. Mais ça aide, vraiment, ça aide beaucoup pour avoir une idée comment on va faire la répartition de l'espace. These shapes will help us a lot to divide the space and to start painting. What I'm doing here, I'm avoiding symmetric shapes and playing with dividing these spaces, but doesn't mean that I'm going to follow these shapes. Usually I didn't follow them. Alors, on va commencer avec cette couleur bleue, très belle couleur d'ailleurs. Voilà la couleur, je cherche le nom, c'est Blue Permanent. Bleu clair permanent. Permanent, s'ils veulent dire que c'est du bleu primaire, j'en suis pas tout à fait sûre parce que cette couleur contient du blanc. C'est pas une couleur pure, mais pas de problème. So, this color, that's why the names of colors depend from a brand to another. This is Liquitex paint. That's why I don't focus a lot on giving you the names of the colors I'm using. I want you to use all the colors that you have. Any color is going to work very good with you. This is a clear blue, and I'm adding white. As you see, I'm mixing this color with blue and starting painting these shapes. Please hear what I can tell you that follow me in these steps, especially please paint very well the shapes. It means go with the brush many times and to cover to have a solid, nice color. Here, I'm using a card. Alors, je voulais dire tout à l'heure que peindre les surfaces est très important. Il faut bien peindre les surfaces et aller plusieurs fois avec le pinceau pour avoir une couleur homogène et bien peinte. C'est-à-dire, il faut couvrir la toile très, très bien. Donc, cette première partie, ce que nous sommes en train de faire pour le moment, c'est juste localiser les formes et peindre les surfaces très, très bien. Voilà, maintenant, c'est la technique du catalyst. J'utilise le catalyst. Cet outil est génial. Il est un peu
pas trop dur, pas trop souple. That's why it gives, so I'm using the catalyst now, and it's giving me a different way in applying the color. It's different from the brush, and that's why we are using today, as usual, a lot of techniques and tools. I used the card, I think Tim Hortons card, or any bank card, or any expired card. So j'ai utilisé aussi la carte bancaire, ou bien n'importe quelle carte cadeau expirée, vous pouvez l'utiliser. Voilà, maintenant j'utilise le couteau. I'm using the palette knife. Why? Just to facilitate, it means to give direction to this dripping. Donc je vais créer un dripping on this blue color with another color. So the method is easy. Just you, I give it a direction with the palette knife, and I added the water, I sprayed the water. Alors, la technique ici était simple. Donc, donner une direction avec le couteau, puis vaporiser de l'eau et laisser couler. Coming back now to paint with the catalyst. Catalyst is not very sharp like the palette knife, and it's not, it means not very flexible, so it gives a different way to apply the color. Alors, je suis en train de faire le mélange des couleurs sur les surfaces en utilisant le catalyst, qui n'est pas très tranchant comme le couteau et pas très très souple. Donc, essayez pour commencer de faire la même chose, utilisant presque les mêmes couleurs. Et dorénavant, je veux commencer peut-être à voir si vous voulez vous inscrire à ma liste des emails. Comme ça, je peux vous envoyer un dessin ou une esquisse de la peinture. Comme ça, vous pouvez suivre le dessin général. So I'm thinking about to sending to people who will join my list, my email list, to send you a sketch of the painting that you will find it very easy to follow the shapes. A lot of people asked me for that because the drawing part is very important for them. So please don't forget to subscribe as usual. Of course, if you like the videos, really it takes a lot of time to do these videos. The painting part is really not the hardest part. The part that is difficult is the editing part. Alors s'il vous plaît, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Faites un peu d'engagement autour de la vidéo. C'est très important pour l'algorithme parce que ces vidéos prennent beaucoup, beaucoup de temps. Ne pas le temps du peinture, ça, vraiment, c'est très agréable, mais le temps de faire l'editing, c'est-à-dire, comment je peux trouver le nom, c'est de préparer la vidéo pour la diffusion. Voilà, maintenant, j'introduis ce très beau vert. On utilise plusieurs nuances de la même couleur. J'utilise cette carte et voilà, parce qu'elle est très adaptée au genre de peinture qu'on est en train de faire. So as you see, I'm using a card, a simple card. It's helping me a lot. This tool is like the catalyst wedge, but really it's almost the same effect as
the card. You can just use the card, you don't need to use that one. Even it's as sharp as the card. So you see, when you paint with me many times, so you learn to use all your tools in the same time. You will see as much as you practice. Donc vous allez voir en avançant et en pratiquant toujours avec moi dans chaque exercice, vous allez commencer à utiliser tous vos outils en même temps comme moi, et même vous utilisez les outils, vos outils naturels, votre corps aussi, comme vous utilisez vos doigts. Donc j'ai dit l'outil gris, là c'est comme le catalyste, mais c'est plus dur, c'est plutôt comme la carte. Donc j'ai mélangé ce beau bleu, ce beau vert avec encore du jaune pour avoir encore des nuances. C'est-à-dire, si vous avez trois couleurs vertes, vous pouvez les utiliser. C'est moi, l'objectif ici, c'est de multiplier les nuances de la même couleur. So please, if you have many greens, if you have 3, 4, 5, you can put them one beside the other, and you use them like I'm doing now. So the objective is to use different nuances to the same color, and then we add yellow from time to time, and between blue and yellow we find greens. That's why they are more like cold color we are using. C'est pourquoi voilà, ça c'est un bout de carton. So look, that's another tool I'm using. It's like, I don't know, what's the name? It's like board or something like this, because it has some very nice texture. I will continue using it, and by the end of this video, you will see the nice effect and marks that these different tools can do. Here I'm using now a dark color to create some contrast and to give the painting a deep a depth. Donc maintenant j'utilise un bleu très foncé. Si vous n'avez pas un bleu foncé, mélangez du bleu avec du noir. So I'm using a dark blue. If you don't have dark blue, just mix the blue with black. And because we want to create some depth to the painting, on veut créer avec cette couleur foncée du profondeur pour la composition, pour cette peinture. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même résultat. Si vous avez les formes qui ne sont pas identiques ou les couleurs qui ne sont pas identiques, doesn't matter, ça ne change rien. Donc, if you have different shapes, if you have different colors, doesn't matter. By the end, the aspect will be the same. We continue building depth, creating shapes, covering all the canvas. Now we added this beautiful, not pink. Let me find this color for you. Alors on continue à créer, à construire des zones, des couleurs. Foncé, clair, des grandes zones, puis voilà, maintenant j'ai commencé petit à petit
à créer du graphisme entre les limites des zones. So now I started creating some marks using this ruined brush. This brush is not working, just I use it to create this kind of marks. I discovered it means randomly, like this, because I forgot this brush with the painting with acrylics for a day, so then it's ruined, but it has some nice marks. Donc cette peinture qui ne sert plus à peindre parce que je l'ai oubliée toute une nuit. Je l'utilise maintenant juste pour créer des marques et du graphisme. J'espère que vous avez beaucoup de patience pour continuer la peinture et tenir bon. En fait, la couleur que j'ai ajoutée au bleu foncé pour foncir et donner une nuance au bleu. The colors I added to the blue earlier is the deep magenta. C'est un magenta profond. Mais n'importe quelle couleur foncée peut faire l'affaire. Je suis encore dans ce jeu de contraste et de construction des surfaces. So I'm just adding colors, marks, trying to smoothen the application, the composition a little bit. Now I'm adding some drips. You know this, I took this bottle from my sister, she's wiping, so then the bottom she's using, I filled it with ink, painting ink. Here it's the golden fluid painting. I find that it's giving a very nice effect. That's why I'm using it. If you don't have it, it's just add some airbrush painting, not painting, airbrush medium, and mix very, very well with the white. And then vaporize with water, spray water, and that's it. Yeah, you do the same. Voilà, je vous montre comment je fais le dripping. Vous mettez la peinture, vous ajoutez le golden airbrush medium, vous mélangez très très bien, et puis vous ajoutez un peu d'eau. Vous allez voir tout à l'heure comment je vais utiliser cela. Mais vous pouvez faire la même chose pour avoir le liquide pour le dripping. Voilà, j'ai introduit une autre nuance de bleu, le bleu que vous voyez à côté de moi. So now I added a new blue. It's the one you see here. So I'm using now the green. It's transparent because I added the glazing, not glazing, it means the painting I mixed is transparent. And I found it gives more depth to the painting, as you see here. It's very simple to do it as I showed you, so just try to do the same.
not everything that I'm doing is very important. For example, here to add the drips in this area is not very important. But now I'm commenting the video, I can see what I'm doing. But at the moment I was painting, I don't know. It means I was not conscious, very conscious about what I'm doing or why. I'm just experimenting. So if you skip some areas or some steps, no, it doesn't matter. It's okay. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je suis en train de faire. Parce que parfois je fais des choses juste pour expérimenter et des idées qui me viennent pendant la peinture. Que maintenant, quand je commente la vidéo, je ne sais pas exactement pourquoi j'ai fait ça. Donc, ne vous sentez pas obligé de faire tout. L'essentiel, c'est de suivre le processus. Et avec la pratique, vous allez apprendre vous aussi à faire beaucoup de choses. L'essentiel maintenant, c'est d'apprendre la technique et utiliser de façon spontanée plusieurs techniques, plusieurs outils et plusieurs couleurs. Comme vous voyez, on utilise la peinture à sec, peinture mouillée, peinture fluide. So the most important thing is to do as much as you can, use the marks, divide the space, use different techniques and tools. And then with practice, you became very good in creating some new marks and ways to paint. Like you see, I'm using a very simple tool I discovered by that it, we could do with it very nice marks. And please, this is my third painting in this category. Fifth one. So please, in the description, I will put other painting in this category with other colors that you can go and watch. And if you have any question, please let me know. Just write your questions on the description below and watch the other video. Try to subscribe and share and like the videos. This will help me and help the channel. So thank you very much. Donc, merci beaucoup. Je vais mettre dans la description en bas d'autres questions. Vidéo de la même catégorie que vous pouvez aussi regarder. Ils sont de différentes couleurs. Il y a d'autres techniques aussi. Vous me laissez des questions. J'aimerais bien répondre à vos questions. Voilà. Vous ne manquez pas d'idées pour faire du graphisme qui va enrichir la peinture. As you see, I'm using everything I can to create marks. And you, with the practice, you will do the same thing. Alors, regardez la vidéo, likez les vidéos et les partagez. And keep painting, please keep painting and experimenting, and see you in the next video. Continue watching this one, and au revoir. Alors, bon visionnage. Regardez les autres vidéos que je veux mettre dans la description. Merci beaucoup pour votre intérêt et à la prochaine. Merci.